greffier. Dégâts. Une fois de plus, au Tchad. Si je m'en tiens me plus nul. Lance le cri de guerre, s'il te plaît. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Équilibre. Grand-père, bonjour, ça va? Ça va, tu veux? Alhamdulillah. Sur ce, nous allons faire un petit détour au Tchad. C'est bon? Ok. Et donc? Ça peut tarder. Nous passons donc à la destruction de la langue française. Anjamina. Je pleure. À présent, va. Monsieur le commandant. On est français. De la zone. On est français. De défense et de sécurité. On est français. Monsieur le commandant de la Légion de la gendarmerie. On est français. Continuez. Monsieur le délégué de la police. On est français. Continuez. Monsieur le secrétaire général. On est français. Dégâts. Monsieur. Affaire de monsieur là de. Il y a des religieux. On est français. Mesdames et messieurs. On est français. Est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Jamais. Représentant association. C'est fini. J'ai une question qui me taraude l'esprit. C'est-à-dire que le tonton-ci lit en fonction de ce qui est écrit sur la feuille. What? Ou bien il lit la feuille en fonction de ce que son cerveau traduit. Parce que j'arrive pas à comprendre, voire même à cerner cette partie. Parce que quelque chose, on a écrit noir sur blanc. Et l'heure de la lecture, c'est... destruction de la grammaire et de sa grand-mère. Et d'ailleurs même, qui écrit leur discours là? Gaz Krimolazin. Équilibre. Enfin bref. Bon, toi, conclue. Tchadien, c'est Tchadien. Ensuite? Nous, on veut la liberté et la paix. Hey! Ok, donnez-lui la paix, il va manger. Je te remercie. Toi, bâche la paix. Qui a loqué ce pays? La question, c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Dédéon, le mot de femme. Les sorciers qui sont ici, oui. Vous êtes des bâtards. Allez danser.